Ok, bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte super cool, super tout, super bien. J'espère que vous vous portez super, super, super bien. Ok les amis, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pour vous présenter mes pronostics du jour que j'ai disponibles sur mon compte 888 Stardom. Si vous suivez correctement la vidéo, cette vidéo, vous pouvez même la faire, cette même coupon sur vos propres compte votre propre site de page sportive. Vous pouvez faire sur OneSportBet 888 Star, même sur MailBet aussi, vous pouvez le faire. Mais les amis, ici j'ai au moins trois coupons disponibles à partager avec vous comme pronostic du jour. Premièrement, d'abord, j'ai une très belle cote de 1,5 et ça va me faire gagner 211 344. J'ai une très belle combinaison de cote et j'ai trouvé une très belle cote de 1,31 et ça va nous faire gagner 275 191. Et pour terminer, code de 1,252, ce qui va nous faire gagner 425 799. Donc suivez attentivement cette vidéo. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous sur ma chaîne, bienvenue à vous sur ma chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification histoire de ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc les amis, ici rapidement, sans plus tarder, je viens dans mon historique. Et pour tous ceux qui veulent créer les comptes OneSpec, ou bien 888 Star, ou bien MailBet, ou bien BetWinner, utilisez le code promo 24 Esports. C'est le meilleur des codes promo en Afrique que vous pouvez utiliser et gagner un bonus gratuitement de 200% et avec des remboursements de 25% chaque mardi et chaque vendredi. Donc si tu ne gagnes pas cette option là sur ton compte, je vais juste te demander si tu veux vraiment vraiment toucher les bonus et les remboursements sur tes pertes sur les jeux que tu joues et tu perds. Tu dois utiliser le code promo 24 Esports pour gagner tes bonus. Donc les amis, ici rapidement, sans plus tarder, je vous présente mes pronostics du jour que j'ai sur 888 Star. Donc suivez attentivement la vidéo jusqu'à. Ok, donc ici maintenant, qu'est-ce que je fais? D'abord, je prends ce premier événement là ici. Voilà. Et donc, comme vous le voyez ici, j'ai combiné événement de Arsenal contre Sheffield ou un peu. Premièrement, d'abord, ici, vous prenez le corner. Une fois sélectionné corner, vous prenez ici maintenant corner. Vous prenez total plus de 5, plus de 4,5. Vous voyez un peu corner, plus de 4,5. Donc, ils vont marquer au moins, ils vont jouer au moins 5 corners sur le terrain avant que notre coupon sera validé. Et ne vous inquiétez pas, ça va passer facilement. Maintenant, on vient ici, toujours l'événement de Sheffield contre Arsenal. Vous prenez carton jaune à la première mi-temps. Vous prenez carton jaune à la première mi-temps et vous prenez total plus de 1,5 et moins de 1,5 ou un peu moins de 1,5 à la première mi-temps. Donc, il n'y aura pas deux cartons jaunes à la première mi-temps ou un peu. Il peut tirer une seule carton jaune à la première mi-temps, mais impossible d'avoir deux cartons jaunes à la première mi-temps. Voilà ce qui va nous faire ici gagner 211 344 francs ou un peu. Ok, maintenant si on quitte là rapidement, on vient sur notre deuxième coupon. Voilà. Ici, j'ai encore combiné deux événements ou un peu. J'ai encore combiné deux événements ici. Mais pour celle-ci, voilà, vous prenez, et pour l'événement de Inter Milan contre Genoa, vous prenez victoire pour Inter. Et ici, Al Nazar contre Al 1, vous prenez total plus de 0,5. Ou un peu, donc plus de 0,5 buts sur le terrain. Donc ils vont marquer au moins un but sur le terrain. Et si j'ai pris victoire pour Inter Milan. Voilà, c'est ça qui va nous faire gagner ici 275 191 ou un peu. Ok, maintenant pour terminer, maintenant les amis, pour terminer, voilà ici notre tout dernier coupon ou un peu. Voilà ici notre tout dernier coupon du jour. Donc je prends rapidement. Excusez-moi. Ok, et voilà. Pour cette fois-ci, il s'agit de deux événements ou un peu. Arsenal contre Sheffield et Osasuna contre Deportivo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Premièrement, d'abord, vous prenez premier mi-temps. Pour l'événement de Arsenal contre Sheffield, vous prenez premier mi-temps. Vous prenez total moins de 2,5 ou un peu moins de 2,5 buts. Donc il n'y aura pas à la, excusez-moi,
Donc, à la première mi-temps, il n'y aura pas trois buts à la première mi-temps. Ils vont pas marquer trois buts à la première mi-temps. Et voilà ici, pour l'événement de Sasuna contre Deportivo. Voilà la première mi-temps ici aussi. On ne va pas avoir trois buts à la première mi-temps. Donc, les amis, voilà un peu tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Donc, on dit à bientôt et à la prochaine. Ciao.